fils s'est trouvé par terre. Il est parti, il a fait quelques pas, il est venu vers lui, il a rajouté une deuxième balle et il a dit Allahu Akbar. Vous voyez, c'est Mohamed Marah quand vous voyez ce jeune de 23 ans devenir un monstre, de voir cette haine, cette, vraiment la rage de tuer cette victime gratuitement. Pourquoi? Pourquoi arriver là? Si je tombais dans cette haine, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous voyez? J'étais quelqu'un, même mes enfants, mais je n'ai pas grandi dans la haine. Je ne sais pas ce que c'est la haine. Parce que j'ai grandi avec une famille religieuse, une famille militaire, de droit. Le vivre ensemble aujourd'hui, chers élèves, rien que le regard. Vous savez, quand on regarde quelqu'un avec nos yeux, ça parle. On dit le vivre ensemble, d'accord, on est ensemble. Mais quand on regarde quelqu'un avec notre cœur, avec amour, on a le sourire. Et quand on a le sourire, on a le dialogue. C'est ça le vivre ensemble, s'approcher vers l'autre. De ne pas avoir peur de l'autre. C'est important de connaître l'autre, d'échanger avec l'autre. C'est pas que si on parle de la religion est fait une partie de notre vie. C'est personnel. Déjà réussi à sauver des jeunes, est-ce que de la radicalisation, est-ce qu'il y a un qui vous a plus marqué? Oui, il y en a un qui plus m'a marqué plus, c'est qu'il ne voulait plus manger avec sa mère. Et il dit à sa mère, tu es le kafira. Je ne mange pas avec le kafira. Vous êtes américain, je ne mange pas avec toi. Et il faisait sa famille souffrir. C'est-à-dire, lui, il est converti, mais converti dur. Ils étaient vraiment préparés à partir en Syrie. J'ai travaillé avec eux presque 6 mois. Et j'ai réussi à les convaincre qu'ils ne sont pas partis. C'est fragile, c'est sensible, mais ils ne sont pas partis. Et surtout quand des jeunes qui convertissent à l'islam, c'est le plus difficile. C'est pour ça que je dis aux jeunes, faites attention de convertir à l'islam. C'est un choix, mais il faut choisir. Et choisir l'islam neutre, de la paix, d'amour.